en trade live DAX 30 et CAC 40. Donc là, nous sommes short sur une zone précise de price action. Nous avons des niveaux et des signaux de dégradation, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX. Donc là, nous anticipons malgré tout un petit retracement, par exemple sur ce niveau aux alentours des 82, voire pourquoi pas effectuer une troisième touche sur le 63. Sur le CAC, idem, on anticipe d'abord un retour sur les 78, voire un retour sur les 72 en extension. Maintenant, le CAC est un peu plus vigoureux que le DAX, donc nous attendrons, on pourra sortir scalp rapide si on est en ratio 1-1 direct, avec un actual risk, c'est-à-dire stop mental qui est situé au-dessus en passage sur un beau MZ, au-dessus de cette mèche-là, le K40 pareil, au-dessus de 96. Voilà, on va laisser se développer les prix et on va voir pour une sortie scalp ou swing, sachant comme on est ranging, les sorties se font plutôt au milieu du range, je dirais, que tout en bas, quoi. À voir. Sortie de trade live DAX CAC. Sur atteinte d'un premier objectif aux alentours du niveau de break. Là, comme je vous ai dit, voilà, on va pas rester swing sur de telles positions. Aujourd'hui, c'est vachement ranging, c'est erratique. Maintenant, on voit la présence quand même de bearish sur ce niveau-là supérieur.